Le lancement de la publicité est toujours un moment de panique pour les animateurs télé. Anne-Elisabeth Lemoine n'échappe pas à cette difficulté. C'est ce qu'il s'est passé sur le plateau de C'est à vous. Jeudi 4 novembre. En effet, Muriel Robin a été lancée dans une description élogieuse du dernier film dans lequel elle a tourné. Intitulé D'août et diffusé vendredi 5 novembre sur Arte. J'ai été spectatrice d'une excellence à tous les postes. C'est très rare, il y a une sorte de grâce. Est-ce parce que c'était une pièce au départ? On avait 4 jours pour tourner. On a décidé. Virgule détaillait la comédienne avant de s'interrompre face au grand geste que faisait Anne-Elisabeth Lemoine à ses équipes. Faut que j'arrête, c'est la peur, alors demandait Muriel Robin, créant la gêne sur le plateau. Agacée, Muriel Robin a alors demandé à l'animatrice, je reprends après, je sais exactement où j'en suis. Je reprendrai à la syllabe après, a-t-elle assuré sur le ton de l'humour. Le 12 novembre 2021, c'est toujours quelques secondes avant de lancer la publicité qu'Anne-Elisabeth Lemoine a été prise de panique. L'animatrice dressait le bilan des œuvres et des causes que les invités, Raphaël Glucksmann et Guillaume de Tonquédec étaient venus défendre sur le plateau de C'est à vous. Alors qu'elle présentait le dernier ouvrage publié par la philosophe et homme politique. Lettre à la génération qui va tout changer, Anne-Elisabeth Lemoine lui a demandé si son livre publié cet été continuait d'être intéressant. Une question tournée avec maladresse qui a beaucoup amusé le compagnon de Léa Salamé et le reste des personnes autour de la table. Tentant de continuer à détailler la liste des invités d'après la publicité, Anne-Elisabeth Lemoine a tout simplement offert à Raphaël Glucksmann son propre livre. Vous me l'offrez? J'espère que vous me l'avez signé, s'est-il amusé, face à une animatrice hilare.